Bonjour, et bienvenue sur Film Résumé. Aujourd'hui, je vais vous montrer un film nommé A Mom and Dad. Attention, spoiler à venir. Prenez soin de vous, et bon visionnage. Le film commence par montrer une famille de 4 personnes vivant dans une ville de banlieue américaine. Les parents, Brent et Kendall, aiment leurs enfants mais détestent la façon dont leur vie a changé depuis qu'ils les ont eus. Leur plus jeune fils, Josh, a 7 ans, tandis que leur aîné, Carly, est une adolescente. Au début du film, Carly parle à son petit ami Damon au téléphone. Ses parents ne l'aiment pas, mais Carly s'en moque bien sûr. Elle et Damon ont prévu de se rencontrer plus tard dans la soirée, lorsque Damon aura terminé son dernier test à l'école. Au petit déjeuner, leur gouvernante, Sunny, écoute les informations sur une mère qui a laissé son bébé disparaître dans un accident de voiture. Sunny a amené sa fille Lisa au travail et elle prévoit de partir après avoir nettoyé la maison. La famille s'attend également à voir les parents de Brent pour le dîner du soir. Carly veut annuler le dîner pour sortir avec Damon, ce qui provoque une dispute entre elle et Kendall. À l'insu de sa mère, Carly a volé 100 $ dans son sac à main pour sortir avec sa meilleure amie Riley. Kendall la conduit à l'école et elle se dispute à nouveau sur le chemin. Carly dit durement à Kendall que sa vie est ennuyeuse avant de sortir de la voiture. De retour à la maison, Josh s'amuse à frapper Brent avec son ballon. Brent regarde son fils avec des épées dans les yeux mais en rit. Cependant, on le voit donner un coup de pied à la voiture jouet de Josh avant de partir. Sunny, la gouvernante, est en train de piler du poulet pendant que sa fille Lisa regarde Josh jouer en arrière-plan. Tout à coup, Josh se retourne pour voir Sunny frapper sa fille avec le maillet. Pendant ce temps, Kendall est sortie avec son amie et la mère de Riley, Jeanne. Elle parle de Jenna, la sœur de Kendall, qui est enceinte. En fouillant dans son sac à main, Kendall remarque que son argent a disparu. Jeanne prétend que sa fille la vole toujours, laissant entendre que Carly a probablement fait de même. Carly est dans sa classe lorsque le professeur reçoit un appel lui demandant d'envoyer un enfant dans le bureau du principal. Rapidement, il commence à recevoir plusieurs appels et l'école est entourée de voitures de police. Sans trop y penser, Carly et sa meilleure amie Riley vont aux toilettes où Riley se plaint que sa mère est une garce. Elles achètent des pilules comestibles à une fille et sortent pour voir l'école en plein chaos. Tous les élèves courent dans tous les sens alors que les professeurs sont introuvables. Ils se joignent à la foule et voient la mère d'un camarade de classe essayer de franchir la clôture de l'école. À l'extérieur de l'école, une grande foule de parents s'est rassemblée pour entrer dans les locaux, mais la police et la sécurité les en empêchent. Ne sachant que faire, un enfant court vers sa mère qui le poignarde brutalement avec ses clés de voiture. La foule se déchaîne alors que d'autres parents commencent à battre leurs enfants brutalement. Certains les éliminent. Carly et Riley parviennent à s'éloigner de la foule et à entrer dans la voiture de Riley. Confus par ce qui se passe, ils conduisent jusqu'à la maison de Riley. Pendant ce temps, Damon, le petit ami de Carly, est dans la salle d'examen. Il reste encore une heure avant la fin de l'épreuve, mais les parents des élèves sont rassemblés à l'extérieur pour les attendre. Le surveillant trouve cela bizarre mais n'y voit pas d'inconvénient. Damon termine avant tout le monde et quitte la salle. Derrière lui, les parents courent à l'intérieur pour retrouver leurs enfants. Damon appelle Carly pour lui dire que le test s'est bien passé. Lorsqu'il arrive chez lui, il trouve son père ivre, assis sur le canapé. Sans trop y penser, Damon commence à nettoyer le désordre dans la cuisine lorsque son père le gifle sans crier gare. Au début, Damon pense que c'est parce qu'il est ivre, mais les choses s'enveniment lorsque son père l'attaque avec une bouteille en verre brisée. Alors que les deux se battent, son père tombe au sol et se poignarde accidentellement la gorge. Au même moment, Kendall est dans sa voiture et se souvient de son rendez-vous manqué avec un ancien employeur. L'homme lui dit qu'elle a 2 enfants et qu'elle est au chômage depuis plus de 15 ans, et qu'il ne peut pas la laisser entrer aussi facilement. Voyant à quoi sa vie est arrivée, Kendall commence à faire une dépression. Alors qu'elle sanglote, elle reçoit un appel l'informant que Jenna a commencé le travail. Kendall se précipite à l'hôpital et voit une foule qui regarde les informations sur les parents qui tuent leurs enfants. Avant qu'elle ne puisse l'écouter, elle est appelée par sa sœur. Jenna donne naissance à une petite fille en bonne santé. Il tient son bébé dans ses bras, mais le beau moment devient sombre lorsqu'elle commence à étrangler le bébé et doit être maîtrisée. Elle met même la main sur une paire de ciseaux et tente de faire du mal à sa fille mais Kendall arrache le bébé de sa prise et l'emmène dehors. Elle pleure comme une hystérique et demande à l'infirmière ce qui se passe. L'infirmière emmène le bébé dans une zone sûre, affirmant que tous les parents sont devenus fous. À l'extérieur du service de néonatologie, les pères fixent leur nouveau-né, prêts à les attaquer. Carly et Riley atteignent enfin la maison de Riley. Carly regarde les informations pendant que Riley monte à l'étage.
Les informations parlent d'un mystérieux virus qui s'est répandu à travers l'Amérique et qui donne envie aux parents d'éliminer leurs enfants. Carly commence à paniquer et monte à l'étage à la recherche de son amie. À son grand désarroi, elle découvre Riley en train d'être étranglé à mort par sa mère. Elle panique et s'enfuit de la maison, mais tombe sur un homme avec une batte de baseball ensanglantée. Damon la retrouve dans la rue et lui dit qu'elle doit rester loin de ses parents. Le couple se rend ensuite chez Carly pour chercher Josh. Pendant ce temps, Brent fait une sieste à son bureau. Il se réveille et demande à son assistant de ne prendre aucun appel. Puis, il regarde une photo de ses enfants et crie, indiquant qu'il a également été infecté par le virus. Damon et Carly arrivent chez eux et constatent que la gouvernante Sunny est toujours là. Ils entrent prudemment et lui demandent où se trouve Josh. La femme répond calmement qu'il est dans sa chambre. Le couple jette un coup d'œil à la serpillière de Sunny qui est couverte de sang et réalise que quelque chose de terrible s'est produit. Carly court chercher son frère tandis que Damon garde un œil sur la gouvernante. Carly trouve un Josh terrifié sous son lit en train de pleurer. Il affirme que Sunny a fait quelque chose de très mal à sa fille, mais n'explique pas quoi. Sunny part en voiture après avoir nettoyé le désordre mais un Brent infecté arrive juste après. Il entre dans la maison et voit Damon dans la cuisine. Alors qu'il lui ordonne de sortir de chez lui, Josh l'entend et sort de sous le lit. Carly lui demande de sortir rapidement mais Josh insiste pour prendre son sac à dos. Brent est sur le point d'attaquer Damon mais l'appel de son nom par Josh retient son attention. Après avoir vu son enfant, Bernd perd le contrôle et les attaque. Damon tente de les sauver mais Brent l'assomme d'un seul coup de poing à la gorge. Il trébuche ensuite sur la voiture de Josh, ce qui donne à Carly et Josh l'occasion de descendre au sous-sol et de s'enfermer. Ils descendent les escaliers et constatent que tout est détruit dans la cave. 3 semaines avant l'incident, Brent avait apporté une table de billard et l'avait construite dans la cave pour la transformer en mancave. Il est plutôt satisfait de son travail jusqu'à ce que Kendall voit l'achat et lui demande combien cela a coûté. Brent commence à lui crier dessus en disant qu'il mérite de se gâter un peu parce qu'il travaille dur. Alors que les deux se battent, il sort un marteau et casse de façon maniaque tout ce qu'il vient de construire. Il dit qu'il veut retrouver sa jeunesse et son insouciance, mais qu'il sait que ce n'est pas possible. Kendall est d'accord, affirmant qu'elle a sacrifié ses rêves et ses aspirations pour sa famille et que, même si elle aime tout le monde, son ancienne personnalité lui manque. De retour dans le présent, Kendall rentre chez elle en voiture en espérant que ses enfants vont bien. Elle écoute la radio où l'animateur avertit les parents de ne pas s'approcher de leurs enfants car on ne sait jamais quand ils peuvent être infectés. Kendall arrête rapidement sa voiture mais il est trop tard car elle est déjà infectée et a atteint sa maison. Elle entre dans la maison et rejoint Brent. Il frappe à la porte de la cave et demande aux enfants de sortir. Kendall sort une scie électrique et tente d'enfoncer la porte. Au même moment, Brent va dans l'autre pièce pour prendre son arme mais trouve l'étui vide. Le petit Josh tire sur sa mère à travers la porte et la balle touche son épaule. Il s'avère que Josh a volé l'arme de Brent et l'a gardée dans son sac à dos il y a quelque temps. Kendall oblige son mari à verser de l'alcool sur sa blessure. À l'intérieur de la cave, les enfants entendent leur mère crier de douleur et pleurer. Maintenant, Kendall et Brent ne peuvent pas entrer de force dans la cave de peur de se faire tirer dessus. Brent pense à un autre moyen et attache le tuyau de gaz à la cave. De cette façon, il prévoit de gazer les enfants jusqu'à ce qu'ils s'évanouissent et de les attaquer au bon moment. Kendall colle du ruban adhésif pour couvrir les trous qu'elle vient de créer dans la porte afin que le gaz ne fuit pas. Carly le remarque et sort ses doigts pour enquêter, mais elle est à nouveau attaquée par sa mère. Alors que le gaz commence à remplir le sous-sol, Carly réalise ce que ses parents essaient de faire. Un long moment passe et Kendall et Brent attendent patiemment que leurs enfants abandonnent. Lorsqu'ils commencent à tousser à cause du gaz, Carly élabore un plan. Elle trouve une boîte d'allumettes et arrache soigneusement la bande de la boîte. Elle la fixe ensuite au bas de la porte avec quelques allumettes. Ainsi, lorsque la porte s'ouvre, les allumettes s'enflamment et provoquent une explosion à cause du gaz. Ensuite, elle et Josh entrent dans un conduit d'aération et rampent pour sortir du sous-sol. Les parents se rendent compte que les enfants sont devenus silencieux, alors ils font un trou dans la porte et les cherchent. Ensuite, ils ouvrent la porte, ce qui provoque une explosion. Brent est gravement blessé mais Kendall survit et trouve les enfants dans les couloirs. Alors qu'elle tente de les faire disparaître, ils sont sauvés par Damon qui est en vie. Lui et Carly retiennent Kendall et l'enferment dans le placard, mais elle parvient à percer les joues de Damon avec un cintre et à se libérer. Alors que la lutte continue, Kendall le frappe avec un maillet et le pousse de la balustrade. Après cela, Brent reprend conscience. Lui et Kendall s'approchent de leurs enfants pour les éliminer. Mais avant qu'ils ne puissent le faire, la sonnette indique que les parents de Brent sont là. Il leur ouvre la porte mais est immédiatement attaqué. Une course-poursuite s'engage dans la maison,
dans laquelle Brent est poursuivi par son père tandis qu'il poursuit Josh. Finalement, Brent et son père finissent par se battre à l'intérieur d'une voiture. De retour dans la cuisine, Kendall tente de persuader la mère de Brent de ne pas le tuer, mais comme elle n'est pas d'accord, elle frappe la vieille dame avec le maillet. Elle se dirige ensuite vers Carly et la poursuit à l'extérieur. La grand-mère les suit également. Tout à coup, la voiture dans laquelle se trouve Brent percute la grand-mère, la tuant. Le grand-père est projeté à l'extérieur à cause de l'impact et est également tué sur le coup. Brent, quant à lui, s'évanouit à cause de l'accident. Alors que les autres observent la scène, Damon, qui est encore en vie, assomme Kendall. Dans la scène suivante, les parents sont attachés dans la cave pendant que les enfants les observent. Ils essaient de faire semblant d'être normaux pour que les enfants les libèrent, mais la ruse ne fonctionne pas. Josh dit à ses parents qu'il les aime toujours. À la fin du film, Brent dit qu'il l'aime aussi, mais que parfois, il a juste envie de les faire disparaître. Assurez-vous de vous abonner pour pouvoir regarder plus de résumés de films comme celui-ci. Merci d'avoir regardé.